Bonjour à tous, on est reparti. On poursuit l'aventure évidemment. Ça y est, je peux plus avancer. Excusez-moi, j'aurais dû le faire avant, mais je vous avoue que j'oublie à chaque fois. Pourquoi il me change tout ça, putain. Voilà. Ok, c'est bon. J'ai recherché l'endroit. Alors, on m'a dit en commentaire, ouais. Où était. J'étais passé à côté d'un. Un fragment du Siglide. Mais j'ai pas retrouvé cet endroit en fait. Tout simplement. Ouais, donc là, on avait la. On avait des schémas, on m'a dit aussi. Alors ouais, on va reprendre vraiment notre respiration. On est vraiment dans une cuve là. Allez, on est reparti. On va essayer d'aller le plus rapidement possible. On m'a dit qu'il y avait le schéma du cutter laser. Et je crois que j'ai pris un bout du schéma, non? Quoi ça, Simon Kinest? Ok, je sais pas trop. Putain, va falloir remonter bientôt. Juste voyons voir s'il y a des choses intéressantes. Il y a de l'oxygène déjà, c'est intéressant. On va bien se mettre à côté d'elle. Ça nous fait gagner un peu de temps. Ouais, je sais. On a encore de l'eau ici, cool. Ouais, de l'air. Allez, on ouvre bien les yeux. Ah, je vais jamais retrouver mon chemin. Je vais crever. Après, est-ce dramatique? On va juste remonter à la surface. Là, c'est un schéma, non? Putain, 2 sur 3. Pour monter, ok. Ça va être super tendu. 30 seconds. Surtout que je me souviens plus si c'est à droite. Ça va être très tendu. On va mourir. Hein. Ouais, ouais, je sais. Oh oui. Ça veut dire que je suis pas du tout vers la sortie. Parce que je l'aurais pris cette plante sinon. Par ici, ouais, c'est bon, c'est là. Ah, mais je suis loin, hein, je suis tellement loin. Ah, oui, encore une bulle d'oxygène. De chance. Ah, ouais, je sais, 30 seconds. J'y cours, j'y vole. Putain, c'est pas là. Là. Par contre, là, j'ai plus de bulles d'oxygène sur le chemin. Mais l'oxygène est pas très loin. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. C'était inespéré de pas mourir. Alors, attends, 2 secondes. Au niveau des schémas. Le piège à gravité, la gravisphère quoi que j'ai découvert. Ou réservoir de très haute capacité. Je sais pas trop. Bon, on va rentrer. C'était vraiment trop tendu, faut que j'arrive à trouver un autre moyen. On a certainement des schémas sur le chemin, c'est juste que je les ai pas vus. On verra bien quand même. Ah, c'est vrai qu'on avait une entrée aussi par là.
Là, yes. Ça, ça va changer la vie. Putain, 2 sur 3, t'es sérieux? La baie avec le mobile. Yes. Parfait, ça. Voilà, c'est bien ce que je disais. Faut juste ouvrir les yeux. Ouais. Mais là aussi je peux descendre. Ok, alors attendez, on va faire juste une remontée. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Avec un peu de chance, on a un schéma. Ah ben ça, attends. Enfin, un schéma tout à l'heure. Non? Mine de rien, non. Et ici? Ah, ici aussi. Putain, c'est abusé ce manque d'oxygène. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Pourquoi? Pourquoi ils entourent ces espèces de... espèce de plante là dans du métal, je sais pas ce qu'ils en font. Ah pardon, je buvais un petit coup. Oh eh, juste pour voir. Oh, on peut aller sur la banquise comme ça? On peut aller jusqu'où? Il y a quelque chose là-bas. Mais c'est énorme! Je savais pas qu'on pouvait aller sur la banquise. Toi, je vais te manger. Ah, t'es bugué. Arctic Leaper. Bon, on va te scanner. Ah là-bas, ce serait pas une autre base hein, encore, comme dans le 1. Il transparaît là. C'est-à-dire je peux monter maintenant. Ah, il va falloir que je songe à boire aussi. Ah ouais, mais pour monter là. Vincenzo. Ça y est, on va se manger des dégâts sur la tête là. Vaut mieux replonger. Oh. Ah non, j'y ai tellement cru. J'y ai tellement cru. Il y a combien? 220. Ah, il nous manque 2-3 petits bouts de schéma et on est bon là. On commence à avoir l'essentiel. Ah. Alors. Faut bien optimiser le truc. Voilà, parfait. On a encore une bulle d'oxygène, je vais pas la prendre de suite. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. T'as pété d'où toi? Oh la paix avec l'immobile. Il a pété d'où? J'ai besoin de soufre cristal. Mais je l'ai déjà je crois, ouais. Ouais. Il a pété. Ah merde. Bon, faut que je trouve d'où il a pété. Plus haut? Plus haut, je l'ai pas vu. Il est où son nid? 30 seconds. Putain. Oh, il faut que je revienne, je vais mettre une balise. Ouais, on va laisser la balise là, je la reprendrai si besoin. Oxygen. Oui, je remonte, t'inquiète.
Ouch. Ah, mais on peut aussi sauter quand on est... Ok. Oh, c'est déjà rempli. Énorme. Bon, il a pété d'où l'autre. Elle aussi. En fait, quand on remonte, ça sera rempli, j'ai l'impression. Normalement, c'est dans les grottes, mais je vois pas de grottes ici. Ah, il y a une bulle d'air aussi là-bas. Impec. Ah, t'as ah, mais absorption d'eau. Oh, je... Soufre cristallin, allez. 30 seconds. Putain, il m'a fait peur ce con. Ouais, je remonte. Il y a un truc pas joli là qui vient d'essayer de m'attaquer. 30 seconds. Bon, première bestiole vraiment agressive qu'on rencontre. Et à combien la base? Il est vraiment cool ce jeu. Bon, on a la baie véhicule mobile, ça c'est super cool. Si je me souviens bien. Par le 6 mode, il fallait pas tant de choses que ça. Il fallait beaucoup de titane. Mais c'est à peu près tout en fait. Est-ce que j'ai de l'eau au moins? Mais j'en ai sur moi, quel idiot! Bah ouais. J'avais un poisson, non? Ouais. Alors, alimentation, nourriture cuite, ouais. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Un goût de titane, parce qu'on a beaucoup de titane. Batterie haute capacité. Pile et caoutchouc en silicone, ça c'est simple. Ah, il faut pas grand chose. Ça c'est super cool. Sauf que par contre, je vais pas voir les chemins. Il va me manquer les sea glides. Donc en fait, il n'y a pas d'urgence. Hein. Ah mince. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, on est full en ressources là. On va retourner voir par là-bas. Faudrait peut-être que je pense à faire de la bouffe aussi. Mais reviens. Il est où? On va juste faire une petite session de pêche. Relâche-le, on peut plus nager. On voit rien avec ces mines d'orang. Elle est au-dessus la base, non? Putain, j'ai un sens de l'orientation. Toi, tu... on te mange toi sinon? Ouais. Oxygen.
En fait, la tempête, elle est pas modélisée sous l'eau. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, on voit la lune. Et quand on ressort, on voit que la tempête. Bon, par contre, je pars tout le temps du même côté sur l'exploration. Bon, après, je suis guidé aussi par le... on appelle ça le point d'intérêt. On a du sel sur nous, non? Non, mais j'en ai là, je crois. Ouais. On va se faire. Hein. Boomerang séché, ouais. Il y en a deux, non? Ouais. Poisson collier. Il va pourrir. Au pire, je sais pas si même pourri, quand on le cuisine avec du sel, est-ce que ça passe? Je sais pas trop ça. Non, on verra sur le moment. Ok, allez, on est reparti. Et je suis étonné qu'on ait pas de signal d'émetteur ou récepteur radio. Enfin, de récepteur radio plutôt. Est-ce qu'il nous guidait dans le 1? Il mange un mur là, d'accord. Allez, on va plonger. On refait le plein d'air. Il y a une plante là-bas pour respirer. Oui, bon, tu peux me le dire à chaque fois. Ah, il a pas repopé lui. Bon, il y avait juste lui là qui était pénible. Alors, avant même d'explorer, je vais essayer de repérer ces plantes là. Boah, il m'a défoncé. 162 mètres, c'est un peu tendu là ce que je fais là. 30 seconds. Ouais, je peux pas aller plus vite. Ouais, c'est des requins en fait. J'ai tellement l'impression qu'ils me suivent. Je pense pas que ce soit qu'une impression. Il m'a suivi ou pas? Ouais, c'est un peu dangereux en fait l'endroit où je vais là. Je vais essayer cette balise quand même. Ce serait vraiment bien de trouver le reste du Seaglide. Juste passer la zone un peu dangereuse en surface. Mais il y a carrément des montagnes en fait, donc il y a un continent. Enfin, il y a une terre quoi. Pas juste de la banquise. On va aller voir un peu quand même. Ça y est, la nuit arrive déjà. Oula. Je l'ai pas vu. Le gros bloc de glace. Bon, ça doit être dans le coin, ce qui me manque. C'est juste pénible de pas le tomber dessus. Que c'est comme dans le 1, c'est le biome. Ouais, donc là on a l'entrée. Le biome de Vindorin, c'est un peu où on trouve les premiers chemins. Oh, mais que c'est pénible, il me tarde tellement d'avoir le Simote. Enfin, ou l'équivalent.
Là j'ai de l'or. Oui, je sais. Et le super lag de surface. Le Seaglide, yeah! Parfait! Impec. Je connais pas cela là. Je sais pas si c'est. Oh, encore du Seaglide, forcément, maintenant que je l'ai trouvé, on va en retrouver encore. Quoi ce truc? On dirait les restes d'un espèce de calamar X puissance 1000 LLL. Bon, tant qu'on est là, on explore un petit peu, on va rentrer ensuite faire le Seaglide. Ne vous inquiétez pas. Combien 62 mètres. Pas de plante d'oxygène ici. Et là-bas. Je sais que du coup. Ah, bah là aussi. Il était où? Ah, j'ai vu du corail, je le vois plus. Là. Je sais que c'est utile, je sais plus pourquoi, mais on en a besoin. Ah bah pour circuit intégré. Ça là voilà, je connais pas, je sais pas si c'est dangereux ou pas. Qu'est-ce qu'elle est pénible avec ça? Ah. Ça annonce un volcan. Là-bas, il y a une plante. Je peux remonter direct. Bon, s'il n'y a pas de schéma, on remonte, tant pis. Il va me choper? Ou il va pas me choper? Il arrive en tout cas. 30 seconds. J'ai tellement cru que c'était une base en face de moi. Putain, mais on pourrait pas y aller à la surface, hein? Ouais, non, mais on est super loin en fait. Bon, il faut quoi pour le Seaglide? Alors, pile lubrifiant, fil de cuivre, mais ça va, on a ce qu'il faut. Pile, rappelle-moi. Ouais, on a ce qu'il faut, ok. Bon, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je rentre à la base et on fabrique le Seaglide, on va pouvoir explorer bien plus loin. Allez, j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve demain pour la suite.